On va, Tommy Charles. Rédicace, il y a un seul homme qui a fait la bande. Rédicace, Thierry Duval, Rédicace, Franck Diva, Maradja est deuxième, Maradja qui revient sur Rédicace, Rédicace, Maradja les deux favoris, Rédicace, il pété pour un, Rédicace, Franck Diva. Et salut à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de mercredi, direction l'hippodrome d'Angers avec les trotteurs, ça fait plaisir. Le Grand Prix Angers-Loire Métropole, 3 échelons de départ, 3100 mètres, 5 en tête, 6 au 25, 5 au 50. Un quintet ou ordre ou rien, tout simplement. Le désordre, il fera à mon avis des miettes. Donc on va essayer de trouver le quintet dans l'ordre parce que vu le plateau payé, je n'y crois pas trop. On démarre tout de suite la sélection. Mon gagnant, le numéro 11, Dreambreaker, drivé par Alex Abrivard, déféré des 4, le plus riche des 25 mètres. Donc je considère que la course, elle est visée. Alex l'a déjà mené au podium et à la victoire. Un cheval très bon à droite, il le faut sur le Hippodrome d'Angers. C'est quand même un tracé qui roule. Attention, 3000 mètres, ça roule. Faut pas se tenir trop loin dans le tournant final. Un cheval qu'on a touché au CDJ l'année dernière à Vichy avec Jean-Michel Bazir derrière Éclat de Gloire. Un cheval qui a fait du trop monter cet hiver, ça lui a fait le plus grand bien. À chaque fois, ça a été la note dans les courses de Vincennes ou de Caen-sur-Mer. S'il a les bons dos, ça veut dire s'il a le dos de Bugsy Malone toute la route dans la phase finale, je pense qu'il peut le faire. Deuxième base, le numéro 15, Bugsy Malone. Ben, c'est un champion. Voilà, c'est un cheval qui est millionnaire. C'est un ongle, il a 10 ans. Redoutable sur les parcours de tenue. Deuxième de cette course-là en 2019, derrière le regretté Aubryon du Gers. La légende pour moi, Aubryon du Gers. C'est un cheval qui ne mollit jamais. Voilà, c'est Franck Nivard qui est dessus. Il vient de gagner sa course à Caen et deuxième derrière un certain Écho de Chancely qu'on retrouve ici. Il doit finir dans le couplet gagnant. Le challenger, le numéro 3, Favorite Fleeny, c'est une jument qui a fait deuxième du critérium des 3 ans derrière le crack Fastenbourbon. Ensuite, ça a été un petit peu plus compliqué. Je vous avais dit dans le pic 5 du Croiser la Roche, faites attention, je pense qu'elle sera dangereuse. Bonne troisième derrière Cicéronois, qui a ensuite répété de toute sa classe à Caen qu'on touche au CDJ. De nouveau déféré des postérieurs, les chevaux de Torel qui est en forme, Pierre Iverva qui est reconduit sur la jument. Je pense qu'à 10-12 euros, ça peut amener un petit peu cette cote dans le quintet. Le premier outsider, j'invente rien, le numéro 2, Écho de Chancely, qui sera très joué, mais là, il faut trouver l'ordre. Hein. Je vous l'ai dit, Tony Lebeller qui était à la drive, déféré des 4, il ne déçoit pratiquement jamais. Il vient de remporter sa course sur le programme de Caen, c'était sûrement la course visée. Il part en tête, mais lui doit subir la course, il ne doit pas bouger du quintet. Deuxième outsider, le numéro 10, Baudrimaud. C'est un cheval qui a fait troisième de la course d'Aubryon et de Bugsy Malone en 2019. Les chevaux de Francane ont eu un petit virus cet hiver, donc si tout est rentré dans l'ordre, je me dis que si Baudrimaud repointe un petit peu le bout de son nez, 4-5e, je pense qu'il peut réussir. Même au 25 mètres. La suite du pronostic, le numéro 8, Belouise Mabon, on la connaît, qui ne la connaît pas, ne connaît pas les courses, entre guillemets, déféré des antérieurs, c'est une jument qui ne doit rien faire du parcours, pas de problème corde à droite. Dans la phase finale, elle prendra la meilleure place possible. En 7e position, un cheval que j'adore, le numéro 12, Blues Zélandier, avec les parcours qu'il a eu toute sa carrière, 140 courses, il est encore plein de peau, il vient de finir 2e de Cicéronois, je ne sais pas comment il a fait, mais il a fait. Alexis Marie qui reconduit sur le cheval, même aux 50 mètres, pourquoi pas venir 4-5e avec son grand courage. Et je termine avec le numéro 4, Cristal du Lupin, un cheval qui a 9 ans, qui approche les 300 000 euros de gains. Il a fait un hiver sur Caen-sur-Mer, mi-figue, mi-raisin. Peut-être qu'il commence à être fatigué, voilà, c'est pas mal, hein, 9 ans, 300 000 euros de gains. Il aura fait sa carrière. Antoine Wells qui est à la drive, déféré des 4, pourquoi pas en bout de combinaison. Et pour la sélection, ce sera tout parce que ça sert à rien d'en donner un autre. Je pense que le quintet est là-dedans. Les impasses, le 13 et le 16, Valoka Jaindo, j'invente rien, et le 16, Davidson Dupont. Aux 50 mètres, ça prépare autre chose, bien évidemment. On passe au cheval du jour. Alors, dimanche 4 avril, dans le Trophée Vert, en réunion 4, course 5, le numéro 2, El Presidente, 3e. J'avais peur de la piste en herbe, j'ai pas senti un cheval avec un peu dénivelé comme ça, là, bien à l'aise. On a eu le dos de la course.
Espoir du Marny qui s'impose facilement. Nous, troisième, donc un couplet tiroir caisse placé qui était facile à prendre. Donc j'ai vu qu'il y a beaucoup de gagnants super. Donc on espérait coup de 3 avec Elliott de Sim. Ça serait pas mal. Et mercredi 7 avril, en réunion à course 1, donc dans le quintet, le numéro 11, Dreambreaker, la base gagnante. J'ai tout dit dans la présentation de ce cheval-là. Si à la bonne course, je pense qu'il est largement dans les 3 et j'espère le voir triompher. Un petit supplément. C'est rare, mais je vais vous le donner. En réunion 1, course 6, au trot monté, une jument qui débute. Ça fait 2 fois qu'elle est bien d'allure, donc elle, c'est tout ou rien. C'est le numéro 9, Capella de Vry, déféré des 4, Olivier Touvet qui appelle Yoann Le Bourgeois. Elle vient de tracer le meilleur dernier kilomètre et les meilleurs derniers 500 dans le quintet du 26 mars. Le quintet de Electra du Vivier et Vita Perron. Donc super. La course, elle est compliquée. Il y a le 2, First Princess, le 4, Darko des Brousses et surtout le 6, Elinou Bilou qui vont être très dangereux. Mais vu que c'est une débutante, une néophyte dans la spécialité, sa classe d'attelage peut faire la différence. C'est un gros coup de poker. Je me dis qu'avec Johan, pour ceux qui peuvent, on peut mettre la petite pièce. Je vous la propose. Les abonnés disposent. Voilà, on se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite de bons jeux, de bons gains. Merci à tous. Ciao! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.